Amis camping-caristes, bonjour. Aucune nouvelle de Jean-Jacques et Annie. Que se passe-t-il? En cette saison, d'habitude, nous sommes partis. Le voyage était prévu. C'était la Bretagne. Mais la veille du départ, un événement imprévu a tout remis en cause. Annie glisse dans la salle de bain et se plaint de son poignet. Par sécurité, je la conduis aux urgences. Elle est prise en charge rapidement. J'attends dans la salle d'attente et une heure plus tard, je la vois réapparaître, son bras enveloppé dans un plâtre. De l'extrémité des doigts jusqu'au coude. Au moins un mois d'immobilisation et une radio à faire dans une dizaine de jours. Le départ pour la Bretagne est normalement reporté, mais peut-être pas annulé. Nous allons voir après la visite. Interrogeons un peu Annie, voir ce qu'elle en pense. Alors Annie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as à ton bras? Eh ben voilà, je suis tombée dans la salle de bain, j'ai glissé et voilà ma poupée. Oh ben c'est pas mal, hein? T'en as pour combien de temps? Au moins 3 semaines. 3 semaines, et eh ben ça va. 4. Et la Bretagne alors, c'est fichu? Non. Non? On partira quand même? Oui. On fera quelques vidéos? Oui. Pour nos abonnés? Oui. Bon, au soleil? Au soleil. D'accord. Hein, Choupette? Moi, Choupette, elle veut partir, hein? Ah, tu veux aller promener, hein? Oui, tu veux aller promener. Bien sûr. Choupette, elle veut aller en Bretagne? Tu veux aller en Bretagne, Choupette? Oui. Elle va peut-être rencontrer Houpette, qui sait. Tu connais Houpette, non? Non, je connais pas, hein. Tu connais pas, non. Et voilà. Ça nous retarde. Ah oui, là maintenant on partira, ou plutôt dans quelques jours peut-être, on verra. Voilà. Après l'examen, ouais. Après la radio, plutôt. Exactement, c'est plus prudent comme ça.